built in 214 units. Le Transat fut construit à 214 exemplaires et parmi les versions, il y a une version allemande, une version française, une version turque, une version sud-américaine et une version indonésienne. Le Transat was put in service by the forces of Germany, France, Turkey, South Africa and Indonesia. Cet avion est piloté par un pilote de l'armée de l'air et son équipage, le chef de bord et le capitaine Olivier Lemina, qui vole au sein du groupe de transport 101-161, pardon, pour Rennes. Et ce pilote et son équipage ont effectué plusieurs détachements en Afrique et en Afghanistan. Et son expérience sur le Transat se monte à pratiquement 5000 heures de vol. Le Transat est un superbe avion qui évidemment a un peu sa vie derrière lui, mais il y a eu une deuxième série de Transat qui ont été construites, qu'on appelait les NG pour nouvelle génération. Et cette machine a une charge marchande de 13 tonnes. 13 tonnes, rappelez-vous ce chiffre, sur le Nord Atlas on avait une charge marchande de 6-7 tonnes. On a doublé cette charge marchande sur le Transat, on l'a menée à 13 tonnes. Mais maintenant, le Transat arrive, depuis 1963 qu'il vole, évidemment, il arrive bientôt à l'âge de la retraite. Et donc, pour remplacer le Transat, les deux premiers exemplaires sont en cours de livraison auprès de l'armée de l'air française. Voici donc leur remplaçant, le descendant du Nord Atlas et du Transat. Un avion où on retrouve encore une signature franco-allemande, même si désormais il y a d'autres nations qui sont impliquées dans ce programme. On y retrouve les Anglais également. Sur le Nord Atlas et sur le Transat, il y avait des moteurs anglais. Et sur celui-là, on trouve également une signature britannique. L'avion qui va remplacer le Transat, désormais, s'appelle l'Airbus A400M. Et on va le voir dans le ciel dans quelques instants. After decades, c'est...